Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion d'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est jour de grande fête aujourd'hui dans la cathédrale Saint-Vincent, jour de grande fête paroissiale. D'abord, jour de grande fête pour toute l'Église universelle. Nous célébrons aujourd'hui la solennité du très saint sacrement du corps et du sang du Christ, qu'on appelait autrefois la fête Dieu. C'est un peu la fête de Jésus lui-même, de Jésus Eucharistie. La semaine dernière, je crois que c'était la fête des mères. Là, c'est encore bien plus important, c'est la fête même de Jésus. On est heureux de le célébrer présent dans l'Eucharistie. Et c'est aussi, pour l'occasion, la fête de beaucoup d'enfants de la paroisse, 28 qui vont justement recevoir pour la première fois Jésus Eucharistie dans leur cœur. C'est une très grande joie. Ils se sont préparés depuis pas mal de temps et maintenant, ils ont le cœur ouvert pour recevoir Jésus. Parmi eux, il y en a deux qui vont faire leur première communion, mais avant, quelques minutes avant, vont recevoir le sacrement du baptême. Eux, ça fait longtemps aussi qu'ils se préparent. Ils ont fait beaucoup d'années même de catéchèse, éveil à la foi des catéchèses, et ils vont être baptisés tout à l'heure. C'est une grande joie aussi pour toute notre communauté paroissiale. Nous sommes heureux d'accueillir tous ceux qui les entourent, les parents de ces 28 enfants, et les parrains et marraines aussi de Martial et d'André. Je vous dis juste le nom des enfants, très vite. Donc il y aura Pierre, Louis, il y en a même deux, Marie, Pétronie, Alexandra, Sybille, Zoé, Jeanne, Antoine, Léa, Elsa, Quentin, Lily, Diego, Lucie, Camille, André, Ronan, Nina, Martial, Édouard, Cyril, Louis, Nicolas, Manon, Léo, Alice et Aliénor. Nous prions pour eux, qu'ils aient le cœur tout disponible pour recevoir Jésus de tout leur cœur. Tous ensemble, préparons-nous à cette célébration. Et quand on accueille un ami important, une personnalité, eh bien on se prépare. Quand c'est exceptionnel, on va faire une maison superbe, une table magnifique, une belle nappe, des couverts en argent, des verres en cristal, vraiment pour une fête extraordinaire. Eh bien, pendant la messe, c'est surtout notre cœur qui doit être tout lumineux. Alors nous allons demander au Seigneur de nous pardonner, de préparer notre cœur à l'accueillir. Nous allons dire ensemble la prière du Je confesse à Dieu, puis après, trois enfants feront une demande de pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée. Je te demande pardon, Jésus, d'avoir désobéi. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié.
femme revenait d'une expédition victorieuse contre quatre rois, Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il prononça cette bénédiction. Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut qui a fait le ciel et la terre. Et béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui fit hommage du dixième de tout ce qu'il avait pris. Chantons ensemble le psaume, et Léa, Quentin, Jeanne et Elsa qui font. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. La nuit même où il a été livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : Ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors, nous restons assis parce que pour cette fête du Saint-Sacrement, il y a ce qu'on appelle une séquence que nous allons chanter qui est sur vos feuilles. Alors, elle est en latin. Nous allons simplement l'écouter avec l'animatrice. Thank you.
toujours. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. De Jésus-Christ selon saint Luc. Alors les enfants, on fait un petit signe de croix sur le front pour dire je veux bien comprendre ce que je vais entendre. Un signe de croix sur les lèvres pour dire c'est une bonne nouvelle, je le partage autour de moi. Et une petite croix sur le cœur pour dire je veux garder précieusement ce trésor. Nous écoutons cet évangile. Jésus parlait du règne de Dieu à la foule. Et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule, ils pourront aller dans les villages et les fermes des environs pour y loger et trouver de quoi manger. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent, « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce monde. » Il y avait bien 5 000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par groupe de 50. » Ils obéirent et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux au ciel, il les bénit, les rompit, et les donna à ses disciples pour qu'ils distribuent à tout le monde. Tous mangèrent à leur faim, et l'on ramassa les morceaux qui restaient. Cela remplit 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pouvons nous asseoir? Chers amis, permettez-moi de m'adresser surtout ce matin aux enfants qui vont faire leur première communion dans quelques minutes. Mais je pense que les adultes peuvent écouter aussi, c'est pas interdit. Et puis, voilà, alors, il y en a qui m'ont déjà entendu l'année dernière, je reprends un petit peu les mêmes choses, je ne vais pas inventer des nouvelles choses. Pardonnez-moi, c'est toujours bon de réentendre, je pense, certaines choses. Alors, chers enfants, aujourd'hui c'est un grand jour. Un jour de bonheur immense. Et je voudrais vous partager, on pourrait dire en quelque sorte, 5 choses, 5 secrets aujourd'hui. D'abord, justement un secret. Et c'est Dieu qui nous confie un très grand secret aujourd'hui. Dieu a un cœur et il nous aime. Ça, c'est le secret. Dieu a un cœur et il nous aime. Et Dieu, il a fait une invention extraordinaire. C'est qu'il pense à nous et il s'occupe de nous. Et comment on peut savoir ça? Parce qu'il a envoyé son Fils bien-aimé, Jésus, le Fils de Dieu, sur terre, pour nous montrer qu'il nous aime. Jésus qui va partager nos joies, nos soucis, nos peines, nos difficultés, et même carrément mourir pour nos péchés, pour nous pardonner. Et Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, nous pouvons être sûrs que nous sommes les amis de Dieu, les amis de Jésus, puisqu'il a donné sa vie pour nous. Alors quand je dis pour nous, chers enfants, c'est pas globalement, c'est pas un prix de croupe.
C'est pour chacun. Tout à l'heure, André et Martial vont recevoir le baptême. Je ne vais pas les baptiser les deux d'un seul coup. Et s'il y en avait 10, je ne prendrais pas une lance à incendie et je baptise tout le monde d'un coup. Non. C'est personnel, pour chacun. Donc Dieu aime tous les hommes. Nous sommes ses amis, mais Dieu aime chacun personnellement. Chacun est important, précieux pour lui. Et il dit à chacun, je t'aime. Il y en a qui ont mis dans leur petit papier qu'ils aiment Jésus. Et Jésus, il aime qu'on lui dise ça. Mais ce matin, il vous dit à chacun, je t'aime. Et il dit, ouvre-moi la porte de ton cœur, je veux habiter chez toi. Et tout à l'heure, le prêtre il dira, ceci est mon corps livré pour vous, au nom de Jésus. Et on pourrait dire, ceci est mon corps livré pour toi. C'est pas marqué dans mon petit papier, mais ça me vient à l'esprit. Il y a une grande sainte, je crois que ça doit être Catherine de Sienne, à qui Jésus disait, si sur la terre il n'y avait existé que toi, ben j'aurais donné ma vie pour toi. Même s'il n'y en avait eu qu'une seule personne sur la terre, ben je serais venu pour elle. Donc c'est ça qu'il fait. Donc le secret, Dieu a un cœur et il nous aime, chacun. Deuxième chose, le trésor. Je ne sais pas si vous êtes déjà allés, les enfants, à la chasse au trésor. Moi, je faisais ça quand j'étais enfant. Qu'est-ce qu'il faut ? On prend une carte, une boussole, peut-être une corde, une pioche, s'il faut creuser, hein, peut-être une lampe de poche pour chercher. Enfin, on fait beaucoup d'efforts. Il faut de la détermination, on est décidé. Hein, le trésor, on ne le trouve pas du premier coup, ce n'est pas facile à trouver. Sinon, il ne serait plus, il y aurait déjà quelqu'un qui l'aurait trouvé avant nous, bien caché. Eh bien, aujourd'hui, vous recevez le trésor le plus extraordinaire, qui puisse exister, le corps du Christ. Hier, nous avons répété ensemble, vous vous souvenez, et tiens, le prêtre va vous montrer le style consacré, si Jésus, il va dire, le corps du Christ. Et vous, vous répondrez de tout votre cœur, amen. Ça veut dire, je suis d'accord, j'y crois, c'est du solide, c'est la vérité. C'est ça que ça veut dire, hein, les adultes. Amen, ça veut dire ça, c'est de l'hébreu. Ça veut dire, c'est un mot pour dire, c'est du béton, on dirait en français, moderne. Voilà. C'est solide. Alors, c'est le corps du Christ. Donc, c'est le corps du Christ, c'est pas du pain béni. Ça, du pain béni, on peut faire aussi. On prend du pain et le béni. Comme on bénit le repas au début, hein, quand on fait la prière pour bénir le repas avant de manger. Donc c'est pas de la brioche magique, c'est pas une pâtisserie miraculeuse, c'est pas une nourriture pour devenir Superman ou je sais plus, les héros modernes, moi je suis un peu dépassé maintenant. À l'époque, je sais pas, il y avait Harry Potter ou Pikachu, je sais pas quoi. Bon, maintenant c'est d'autres, Spider-Man, je sais pas. Il y a encore 007 aujourd'hui, ça c'est pour les plus anciens. Mais c'est pas ça, c'est pas une nourriture pour devenir super agent. Non, c'est le corps du Christ. C'est-à-dire c'est Jésus lui-même qui comble notre cœur de l'amour de Dieu. Vous vous souvenez de la chanson Les enfants ? Elle déborde, ma coupe est pleine et elle déborde. Pourquoi mon cœur déborde ? Car Jésus m'a sauvé. C'est ma joie. C'est Jésus qu'on reçoit, le corps du Christ. Alors c'est pas du pain béni. C'est pas non plus une récompense parce qu'on a été sage. J'ai été sage peut-être à la maison, à l'école ou au caté. On sait bien que ce n'est pas toujours vrai. Hein. On n'est pas parfait, on fait des péchés. J'avais reçu le pardon du Seigneur. Si j'interrogeais vos parents qui vous aiment beaucoup, ils diraient « Oh, on n'est pas toujours... Hein, » quoi. C'est que ce n'est pas une récompense. C'est gratuit. On ne paye pas. Dieu nous aime. C'est pourquoi Dieu nous aime. Parce qu'il nous aime. Ça ne s'explique pas. Les amoureux sont capables de comprendre ça. Pourquoi tu m'aimes ? Alors, peut-être ils vont dire, ah, papa ou maman, ah, t'as de beaux yeux, hein, parce que je t'aime bien, parce que tu me dis des mots gentils, je me sens bien avec toi. Puis si on pose encore la question, ah, pourquoi tu l'aimes ? Finalement, à la fin, bah, je sais pas. C'est parce que c'est toi, c'est tout. C'est parce que c'est toi. C'est parce que c'est elle, c'est parce que c'est lui. Bah, Jésus, c'est pareil. Il nous aime parce que c'est nous. Pas parce qu'on est super, pas parce qu'on a des beaux yeux. Parce que c'est nous, c'est tout. Puis parce que c'est lui, surtout. Et lui, il nous aime gratuitement. Ok, deuxième chose, donc le trésor.
trésor qu'on va recevoir, c'est le corps du Christ. C'est pas du pain béni, c'est pas une récompense parce qu'on a été sage. C'est gratuit. Troisième chose, la nourriture. Alors, on va recevoir Jésus en nourriture. Il dit, ceci est mon corps, prenez et mangez. On est des cannibales, des anthropophages. Alors, rassurez-vous, chers enfants, c'est pas une nourriture pour le corps. Sinon, ça serait pas suffisant. Vous mourriez de faim à la fin de la journée. Je suis sûr qu'après la messe, vous allez faire un bon repas avec vos amis. C'est une nourriture, comme on l'a entendu dans l'Évangile, vous allez voir. Vous avez vu dans l'Évangile, les gens ils sont venus pour voir Jésus. Et puis, il va multiplier les pains. Et puis, il va les rassasier tous. Donc, il nourrit leur corps, ça c'est vrai. Mais Jésus, après, plus tard, à la suite de l'Évangile, il explique que il veut donner bien plus aux gens. Qu'il ne faut pas venir juste pour nourrir son ventre, mais pour lui. Et quelle nourriture donne Jésus? Ça c'est facile. C'est une nourriture pour le cœur, bien sûr. Hein, vous savez, on met de l'essence dans la voiture pour qu'elle avance, pour pas qu'elle tombe en panne sèche. Eh bien, dans notre cœur, on a besoin de mettre un super carburant d'amour. Pour brûler d'amour pour Dieu et pour les autres, pour être heureux et pour vivre. Sinon, notre cœur, il tombe en panne sèche. Il n'arrive plus à aimer les autres. C'est pour ça qu'on vient à la messe tous les dimanches. Que les gens ils disent, ouais, les cathos ils vont à la messe, et puis après ils ressortent, ils ont une tête d'enterrement, je sais pas quoi. Ils sont pas meilleurs que les autres. D'abord, je connais mon voisin, il est catho, il va à la messe, et puis il fait des bêtises quand même. Les cathos ils sont pas meilleurs, ils sont pauvres. Mais justement, ils viennent à la messe parce qu'ils ont besoin de recevoir Jésus pour arriver à aimer les autres. Sinon, ils n'y arrivent pas tout seuls. Moi, j'arrive à aimer les autres, il y en a qui m'énervent. Ah, moi, je fais, Jésus, là, viens dans mon cœur pour carburer. Voilà. Bon, et puis, peut-être qu'à 4 heures, les enfants, vous recevez un petit goûter, non? Pour refaire vos forces. Et ben, l'Eucharistie, ça refait nos forces spirituelles. Quand notre cœur, il est fatigué, il est triste ou il est malheureux, et ben, Jésus nous donne un cœur nouveau, fort et généreux. Dans un autre évangile, il dit qu'il est le pain vivant. Qu'il vient pour que le monde ait la vie éternelle. Ça, c'est de la nourriture. Nourriture, vie éternelle. Enfin, c'est encore mieux que des vitamines pour quelques heures. Donc, troisième chose, il dit que c'était nourriture. Quatrième chose, le baiser d'amour. Peut-être que papa ou maman, avant que vous alliez vous coucher, peut-être qu'il faut faire un petit bisou. Vous embrasse, des choses gentilles, rassurantes, pour que vous dormiez bien. Hein. Des fois, s'ils ne le font pas, ben, vous n'arrivez pas à dormir. Ou bien vous attendez, viens voir, un bisou. Bon. Eh bien, aujourd'hui, Jésus, il vous prend tout contre son cœur et il vous comble de tendresse. Comme un bon berger qui prend un soin particulier de sa brebis, qui veille sur elle, qui la rassure, spécialement si elle est blessée ou tremblante de peur. Alors, rassurez-vous, chers amis, c'est pas moi qui ai inventé cette belle expression de baiser d'amour. Vous savez qui c'est? C'est Sainte Thérèse de Lisieux. Elle a dit que le jour de sa première communion, c'est comme si Jésus lui avait fait un baiser d'amour. Magnifique. Magnifique. Elle était toute transformée, la petite Sainte Thérèse. Elle était toute petite, elle était... C'était le plus beau jour de sa vie. Cinquième chose, je termine. Le château intérieur. Vous vous souvenez, votre cœur, c'est comme une maison, comme une demeure, comme Zachée quand il avait accueilli Jésus. Une demeure que vous avez bien préparée pour accueillir, pour recevoir Jésus. Votre cœur est comme un château où aujourd'hui vous allez recevoir la visite du plus grand personnage du monde entier, de l'univers, plus grand que le monde et l'univers entier. Le grand roi, le fils de Dieu, Jésus, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Encore mieux que le président des États-Unis. Et c'est possible parce que ce grand roi, le Très-Haut, est devenu tout petit, faible, humble. C'est l'enfant de la crèche, homme parmi les hommes, et encore plus fort que ça. Il s'est livré en nourriture dans un petit morceau de pain, l'hostie, qui est devenu son corps. Et pour nous rendre visite, Dieu s'est fait tout petit. Dieu s'est fait tout petit, mais il faut que notre cœur, lui, soit tout grand, ouvert. Que notre coupe, si des fois elle peut être petite, vous savez, petite, moyenne ou grande, c'est pas ça qui est important.
L'essentiel, c'est qu'elles soient toutes débordantes d'amour et de joie, comme le cœur de Jésus. Le saint curé d'Ars, qui était le patron de tous les prêtres, saint Jean-Marie Vianney, qui habite 100 km d'ici, enfin, autrefois, disait, si on réalisait vraiment ce qui se passe durant la messe, on en mourrait de bonheur, on serait fou de joie. On ne pourrait même plus vivre tellement c'est formidable. On serait tellement comblé que voilà, ça suffirait. Alors, conclusion, je reprends les 5 points. Parce que peut-être vous avez déjà oublié, hein. Il y en a qui sont endormis là déjà. Alors, les 5 points. 1. Le grand secret. Dieu a un cœur et il vous aime chacun personnellement. Il a donné sa vie pour vous. 2. Le trésor le plus extraordinaire, l'Eucharistie, le corps du Christ. 3. Nourriture pour votre cœur. 4. Baiser d'amour de Jésus. 5. Jésus vient habiter notre cœur, notre château intérieur. Que notre cœur déborde d'amour pour lui. Amen.